J'espère que vous êtes en forme et motivés, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul. C'est même plus de la muerte à ce stade. Là, c'est de la muerte de la muerte. J'ai compté le nombre de titres que je vais vous présenter aujourd'hui. 38. 38. Il y a nouveau... Depuis le dernier book haul, il y a 38 nouveautés chez moi. Et j'en ai acheté beaucoup. Non, mais d'habitude, j'en achète 2-3 et je me sers de ça en mode « Oui, regardez, je suis raisonnable !» Bah là, non. Là, je peux même pas dire ça. On attaque! Vous allez voir que pour le coup, il y a énormément également de nouveautés de Glénat, puisque bah, c'est la fin de l'année, il y a beaucoup de sorties à l'approche de Noël, et croyez-moi, j'ai été raisonnable, hein, j'ai pas demandé trop de trucs, genre, j'ai essayé de me restreindre, mais ils sortent tellement de trucs de ouf! Vous allez voir, c'est... trop bien! Puis bien sûr, il y a vos petits cadeaux à vous, hein, parce que bah, il y a pas que moi qui suis pas raisonnable dans l'histoire! Allons-y tout de suite, on commence! Eh ben écoutez, je propose qu'on attaque tout de suite par Glénat, hein, écoute, c'est une grosse pile, je vous préviens. J'ai reçu Shu Jinx, le tome 1. Alors c'est une nouveauté qui... Je crois d'ailleurs que ce sera pas forcément cette couverture-là. Il y a précisé derrière, exemplaire de lecture ne peut être vendu. Donc c'est vraiment genre un peu l'avant-première, etc. Moi, le scénario me fait pas mal penser à Ajin, mais j'ai hâte de lire pour en savoir plus. Je le caserai sans doute dans les piles à lire des mois à venir assez rapidement parce que j'avoue qu'il m'intrigue fortement. Second manga, qui a l'air très stylé, Les Saisons d'Ogishima. Alors au début j'étais un peu perplexe parce qu'il n'y a pas de résumé, mais en fait il est dans le manga. Il est là. Eh oui oui. Et en fait l'auteur a déjà écrit beaucoup de livres et ça c'est un arc de ce qu'il a écrit, le premier tome d'un nouvel arc. Et j'ai trop hâte de le découvrir. Alors je vous montre un petit peu les dessins parce qu'honnêtement je les trouve sublimes. En plus le manga en lui-même est assez grand. Regardez, il y a pas mal de libertés qui sont prises par rapport à la mise en page et enfin je le trouve vraiment joli. Donc j'ai hâte de le découvrir davantage. Puis de toute façon tout ce qui peut me faire découvrir un petit peu d'histoire, vous savez que j'aime bien ça. Alors on change d'univers, Mickey, mais totalement de saison, Terror Island, une terrifiante aventure de Mickey Mouse, et encore une fois, non mais je sais déjà, je me répète, alors là c'est pas tiré d'une littérature, mais regardez un peu ces dessins, c'est une merveille, voilà, il est magnifique, regarde, du coup voilà, là c'est une histoire indépendante, c'est pas tiré de Frankenstein ou de Dracula, mais je le trouve absolument sublissime, à chaque fois vraiment les efforts visuels faits pour ces BD m'impressionnent beaucoup. Il rejoint donc ma bibliothèque. D'ailleurs, si vous avez des idées pour ranger les BD, parce qu'en fait, en gros, mes BD, à la base, elles étaient rangées bah, sur des trucs comme ça, mais à différents niveaux de mes étagères. Et en fait, c'est trop lourd et ça affaisse les planches. Et je me dis, est-ce que ce serait pas plus smart de me faire une bibliothèque spécialement consacrée aux BD avec vraiment des trucs qui séparent, comme ça les planches, elles reposent à chaque fois sur les BD d'en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, par exemple, genre, j'ai des romans, et il y a ça d'écart, et les BD, et du coup ça a fait, je ne sais pas. Quelles sont vos astuces pour ranger vos BD? Parce que j'avoue que je commence à en avoir un certain nombre, hein, et que ça prend de la place, mais en même temps j'adore ça, et j'ai des trucs que j'adore aussi, donc je vais pas m'en séparer, c'est hors de question. Donc voilà, je suis en recherche d'une inspiration divine de rangement. J'attends donc vos recos. Prima Spazia, une très jolie BD qui traite de l'espace, regardez cette couverture en relief absolument sublime. J'ai pas voulu trop me spoiler, mais j'aime bien, ça a l'air d'être du jeunesse avec de la SF, tout ce que je kiffe. Alors là, j'en ai reçu deux de cette collection. Non mais regardez, en gros, c'est des... Alors c'est plus des romans graphiques pour moi ça, hein, typiquement que des BD ordinaires. Ce livre-là parle de Robert Johnson, et ce livre-là parle de Jimi Hendrix, donc... On devine la même collection, le même ordre de fabrication, la même édition. Et regardez l'intérieur, du coup, c'est des éditions, enfin, c'est ce type de visuel. Je m'assomme. Et c'est dans le même, comment dire, la même charte graphique, le même genre dans celle-ci. Et honnêtement, alors Robert Johnson, je ne connaissais même pas de nom, je l'avoue. Bon, Jimi Hendrix, oui, quand même, je ne suis pas si peu cultivée. Mais j'ai trop hâte d'en découvrir plus et j'adore le style visuel. Donc très très bonne découverte, et ça je pense que typiquement pour Noël, pour des gens, parce que mine de rien, Noël approche, c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de sorties, et c'est le type d'ouvrage qui peut vraiment vraiment plaire à des personnes qui sont intéressées par ses personnalités. Vous savez, il y a un petit charme en plus, c'est pas juste un livre qui en parle. Oh, j'étais tellement contente quand j'ai reçu ça. Vous vous rappelez du Frankenstein, que je n'ai pas encore lu, mais que j'attends de lire pour genre, je pense, janvier, le magnifique Frankenstein hyper beau en relief, et bah du coup, j'ai la collection de Dracula. Alors j'ai pas l'édition collector, mais ils ont eu la gentillesse de m'envoyer l'édition en BD classique, et j'ai beaucoup trop hâte de la lire. Bon alors, sauf que je viens de lire Dracula en roman vraiment il y a 2 semaines, donc je vais me laisser un peu de temps avant de replonger dedans en BD, mais je pense que pareil pour cet hiver, c'est une relecture qui me plaira bien. En plus j'aurai encore le roman bien en tête, et c'est là que c'est le plus agréable. Je vous conseille 1000 fois ces éditions-là de Dracula et de Frankenstein en bande dessinée, c'est des merveilles.
Ah, j'ai été trop contente de recevoir ça. Les 1000 films cultes de l'histoire du cinéma, c'est typiquement le genre d'ouvrage que j'adore et sur lesquels je ne craque jamais parce que bah ça coûte cher, hein, voilà, on va dire la vérité. Hein, et à chaque fois, surtout à l'approche de Noël, parce que forcément à Noël, c'est des idées cadeaux qui sont du pain béni, ils en sortent plein. Tu sais, sur les étals de la Fnac ou de librairie, t'as que ça et je suis en mode oh là là, celui-là il est trop beau, oh là là, celui-là est magnifique, oh j'aimerais trop voir ça, ça a l'air intéressant. Je suis en mode Marilyn, tu cherches des cadeaux pour les gens, arrête de penser à ta gueule. Mais du coup, à chaque fois, je suis over-tentée et du coup, je suis refaite parce que là, j'en ai un moi. Parce que d'habitude, du coup, j'en achète pour mes potes ou pour ma famille, enfin voilà, tu vois, pour faire plaisir. Mais moi, du coup, à chaque fois, je suis en mode non, c'est trop cher. Et là, je suis trop contente, du coup, j'en ai un. Et il y a plein, du coup, de recommandations chronologiques de films cultes. Et j'ai vu qu'il y avait Angélique, Marquise des Anges. J'ai vu qu'il y avait une grande photo de Brigitte Bardot également. Donc je suis très contente. Et attendez, j'avais regardé, mais il me semble que les recommandations vont jusqu'à assez loin, genre 2009. Oh non, plus que ça, 2019. 2019, ou parce que 2009, c'est vrai que mine de rien, ça commence à dater. Donc, par exemple, il y a Les Misérables, il y a La Belle Époque, Portrait de la jeune fille en feu, Green Book, pour n'en citer que quelques-uns. Et je trouve ça vraiment chouette. Alors évidemment, faut pas forcément s'inspirer de tout, mais ça donne quand même un petit inventaire de films à regarder et éventuellement, si on est en panne d'idées et qu'on a envie de regarder un truc, bah de chercher un peu ce qui est là-dedans. On va dire que ça assure que c'est des films qui ont apporté des choses à des gens, tu vois. Donc même si t'aimes pas, c'est une pierre en plus à ton édifice de la culture. Moi personnellement, je pars du principe que même quand on n'aime pas un film, une série ou un livre, eh ben on l'a vu et du coup, bah c'est pas perdu. Donc hyper heureuse de l'avoir et je sais qu'il existe aussi pour les jeux vidéo et les livres. J'avoue que celui avec les livres, il m'a fait de l'œil aussi. J'ai reçu le tome 2 des Mondes des Willans. J'avais le tome 1 depuis moult et je suis trop contente d'avoir le 2. En plus, j'ai lu Elana et les Quêtes des Willans, donc je pourrais continuer en BD même si je les ai aussi en roman. Ensuite de saga, j'ai reçu Pitcairn, l'île des révoltés du Bounty. Je vous en avais déjà parlé en book haul et en update lecture parce que j'avais lu le tome 1, donc trop cool d'avoir le tome 2. Et j'ai reçu Sorceline tome 5. J'adore cette saga, elle est beaucoup trop mignonne. Jeunesse, hyper positive, avec beaucoup d'interactions entre les personnages, beaucoup de... un univers de fantasy très riche, et j'allais dire beaucoup d'animaux différents, il y a plein de créatures, enfin, je trouve très cool. Donc c'était logique que je demande la suite. Et j'approche de la fin de Glénat, oh c'est lourd. J'ai reçu le tome 1 sur Jacques Brel, vous le savez maintenant que Glénat, un des trucs qui me fait le plus craquer chez eux, c'est vraiment leur BD historique ou culturel, et bah là forcément, j'aime beaucoup Jacques Brel, enfin j'aime beaucoup les chansons de Jacques Brel, je reformule, parce que je ne connais pas justement le monsieur, je connais certaines choses de sa vie, mais voilà, de manière très succincte, donc je suis assez impatiente d'en découvrir davantage, alors bien évidemment, c'est pas une biographie exacte, mais comme d'habitude à la fin, ils font les dossiers, vous savez que j'adore, du coup ça permet de savoir leurs sources, de savoir sur quoi ils se sont basés, d'avoir un peu plus d'approfondissement par rapport à l'histoire, donc... Je suis refaite. J'ai reçu cette trilogie des Fils del Topo. Alors, en fait, c'est un cinéaste qui a fait un film, donc El Topo, et qui a voulu faire cette suite, qui n'a pas pu le faire, et qui l'a donc fait en BD. En tout cas, c'est ce que j'ai compris avec la préface, parce qu'il n'y a pas de résumé. Et c'est le même coffret, vous savez, que j'avais eu pour De Gaulle, et j'ai trop hâte. Honnêtement, ça a l'air un petit peu... sombre, même beaucoup sombre, et ça l'intrigue vachement. Ça, pour le coup, ça serait plus en recommandation à ceux qui aiment bien les histoires un peu Far West, mec badass et tout. Et la dernière réception de Glénat, mais pas des moindres, c'est une très belle histoire en plus pour moi. J'ai reçu l'intégrale de Peter Pan, et en fait, j'ai été hyper touchée quand je l'ai ouvert, je l'ai ouvert en stream, parce que des fois, quand je reçois les colis le matin et que j'ai un stream, je l'ouvre en direct, c'est plus sympa. Et en fait, j'ai été très touchée parce que je m'étais acheté le tome 1 il y a genre 10 ans avec Kim. Il y a une phase, en fait, on adore les BD tous les deux. Et sa maman, la maman de Kim, donc Belma, mais fan de BD aussi, elle en a plein chez elle. Et donc, il y a 10 ans, on habitait encore à Paris. Et on s'était dit, oh, allez, ça serait trop cool qu'on commence à avoir une vraie bibliothèque de BD, on pourrait essayer de commencer. Et on s'en était acheté 4-5. Et je m'étais acheté, parce que du coup, on avait fait selon nos goûts, donc nos goûts diffèrent. Et je m'étais acheté le tome 1 de Peter Pan. Et bah, après, au final, c'est la seule fois où on a fait ça, parce que bah, mine de rien, ça coûte cher, les bandes dessinées, hein, c'est voilà, c'est un budget. Et du coup, bah, là, de voir l'intégrale... J'ai souvent été tentée d'acheter la suite, hein, mais j'étais en mode, ouais, calme-toi. Et là, du coup, de recevoir l'intégrale, je me dis, waouh, je vais pouvoir découvrir la suite et la fin de cette histoire, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Et voilà, je suis trop touchée. En plus, la BD en elle-même est sublissime en format intégral. Vraiment, je suis trop heureuse. Donc voilà, on va dire que je suis très contente de l'objet en lui-même et de la BD, genre elle m'intéresse beaucoup, mais ça me touche encore plus avec la petite histoire que moi j'ai avec, donc je suis ravie. Regardez le dos quoi, c'est
C'est beaucoup trop beau, j'adore. Je crois qu'il y a 7 BD quand même, hein, donc ça explique le poids un peu conséquent. Pour Glénat, c'est bon. J'ai reçu un autre présent d'une maison d'édition, les éditions Le Héron d'Argent. Je vous en ai déjà parlé bah, dans le dernier update lecture, dans le dernier book haul, parce que j'ai claqué du pognon. Et bah là, ça m'a énormément touchée, mais j'ai reçu du coup une lettre avec cet ouvrage, donc c'est leur dernier album sorti. Ils sortent des romans et ils sortent aussi des livres un peu collector comme ça. Et du coup, j'ai reçu une lettre hyper touchante avec des petites illustrations et ce magnifique livre bah, pour me l'offrir. Donc ça m'a fait... Ça m'a fait très plaisir, donc la lettre est là avec les illustrations, j'ai laissé dedans. Et en fait, celui-ci porte sur les légendes celtiques. Donc vous avez, alors comme d'habitude avec eux, vous avez des illustrations à tomber par terre. Vous avez énormément de textes explicatifs aussi. De toute façon, ils gèrent extrêmement bien les choses. C'est-à-dire que vous avez de très belles illus, mais vous avez aussi un vrai contenu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là voilà, vous avez le barde du roi Elphine, vous avez Merlin l'enchanteur bien entendu, hein, qui a droit à une très belle double page et une double page d'illustration, il mérite. Et puis après vous avez la bataille des barbus, vous avez Orient et l'homme sauvage, vous avez Amour et passion, Cano et Red, le roi Arthur et la quête du Graal, enfin voilà, c'est... Encore une fois, de toute façon, leurs livres sont sublimes et mine de rien, entre ceux que j'ai achetés et ceux qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer, je commence à avoir une belle petite collection de leurs ouvrages. Donc je suis hyper reconnaissante et très heureuse, j'ai hâte de le découvrir. Après ce mois-ci, du coup, bah pareil, il pourra pas être dans ma palle de ce mois-ci puisque j'ai déjà commencé ma lecture du mois de novembre, mais peut-être pour décembre ou janvier, parce que là, pour ce mois-ci, je me suis mis les créatures d'Halloween, là, vous savez, les créatures fantastiques. Et j'ai également reçu ma box cube, donc du coup du mois dernier. J'ai reçu La fileuse d'argent de Naomi Novik, que je suis extrêmement heureuse d'avoir puisque j'avais adoré Déraciner de la même autrice. Donc ça, clairement, vous devinez avec la couverture, c'est une lecture pour Winter Vibes. On est d'accord, totalement. À partir du moment où il y a de la neige, il n'y a aucun doute. Et j'ai également reçu le roman graphique Morgane. J'ai déjà lu deux livres de cet illustrateur. Podane, je crois que c'est ça. Et Sœur d'Homme, je sais plus, mais je vous mettrai les affiches, bien sûr, les couvertures. Mais voilà, c'est un illustrateur que j'adore et qui fait des contenus très engagés. Donc Morgane, la légende arthurienne, ça reste dans ma vibe du moment. Trop contente. Passons maintenant à mes achats. Alors les enfants, vous avez le droit de me juger. Vous avez... Non, parce que d'habitude, je m'achète 2-3 livres par session, on va dire, entre un haul et un autre, ce qui est à peu près une fois par mois, je pense. Là, j'ai craqué fort, mais alors... Il y a deux raisons, d'accord, on se calme, on ne me juge pas tout de suite, même si vous avez le droit. Première raison, je me suis mise aux reliés, surtout les reliés ont commencé à exister d'ailleurs, hein, parce que ça n'existe pas depuis si longtemps non plus. Les reliés, c'est les toc-toc. Les toc-toc, c'est ça, voilà, c'est beau, voilà, c'est beau, c'est stylé, c'est... Regarde, voilà, voilà, non mais voilà, oui, donc oui, voilà. Et en fait, le problème, donc ça, déjà, je me suis mise aux reliés, hein, mes petits toc-toc, et Noël approche. Comme vous le savez, du coup, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, qu'est-ce qui se passe quand Noël approche? Les maisons d'édition, elles sortent des reliés. Parce que, bah, genre, les livres qui ont très bien marché, bim, ça vaut une petite réédition, parce que c'est Noël et que ça fait des cadeaux, tu vois. Du coup, bah, j'ai pas envie de passer à côté des toc-toc qui me plaisent, donc du coup, oui, j'appelle ça toc-toc, je trouve ça mignon. Donc du coup, bah, y en a que j'ai acheté qui venaient de sortir, y en a que j'ai acheté qui sont sortis qui vont bientôt plus être en stock, du coup, je les ai achetés pour pas qu'ils soient plus en stock parce que j'ai envie de les avoir en relié, et y en a que j'ai acheté parce qu'ils ont été édités en relié. Genre, je vous spoil un peu, mais La passeuse de mots, il était dans ma wishlist depuis des mois et des mois, mais y avait pas d'urgence, tu vois, il était dans ma wishlist au calme, comme 300 bouquins, et là, ils viennent de le sortir en relié. Bah, du coup, je l'ai pris. Mais je veux dire, non, mais je veux dire, quitte, je le veux, le truc. Donc, il vient de sortir en édition trop belle. Prends mon pognon, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, oui, donc oui, j'ai été très très faible. J'ai été très 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 faible. Oui. Non mais oui, oui. Mais je suis trop contente en même temps. Alors du coup, je vous montre. Alors non, ça, oui. J'ai acheté les tomes 5 et 6, 7 et 8 et 9 des Chroniques de Bridgerton. Les plus attentifs sauront que je n'ai pas les tomes 3 et 4, mais mes modos m'ont dit que quelqu'un me l'avait déjà offert. Parce qu'en fait, je rappelle qu'on a un système. Quand vous voulez m'offrir un bouquin, puisque je ne peux pas vous empêcher de le faire, mais vous êtes adorable et ça me touche, mais gardez votre pognon. Et du coup, quand vous voulez m'offrir un bouquin, il faut que vous préveniez un de mes modos. Ils ont un tableau que moi, je n'ai pas le droit de voir, et ils notent du coup quand vous voulez m'offrir un truc. Ce qui fait que moi, du coup, je me l'achète pas. Ça évite les doublons, et ça évite qu'un autre choupe le prenne aussi.
Voilà, donc c'est le système le plus simple qu'on ait trouvé, parce qu'au début j'étais en mode m'achetais rien, les gens achetaient quand même, et ça faisait des doubles, ce qui fait que les gens étaient déçus, parce que forcément, même si c'est ok avec l'idée que je fasse circuler les livres, bah forcément il y a l'envie de me faire plaisir et que je lise l'ouvrage en question moi-même, donc ça me faisait un peu chier de me dire que vous étiez déçus, donc on a trouvé ce système-là, et donc je n'ai pas acheté le 3 et 4, puisque bah, quelqu'un s'en est occupé pour moi, je ne sais pas encore qui tu es, mais je t'embrasse, et je me suis par contre acheté les 3 suivants. Voilà. Et le pire, c'est que Bridgerton, je trouve ça mal écrit. Voilà. Non, mais ça, c'est le pire. Non, alors attends, il y a une raison, parce que je suis pas non plus totalement un pigeon, hein. C'est-à-dire que je trouve pas ça ouf. Je trouve ça un peu le style roman de gare à lire, et les scènes de cul sont très très mal écrites. Vraiment, c'est ouf. Oh là 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 là, ça dure longtemps, puis tu t'emmerdes. C'est tout ce qu'il faut pas. Mais le problème, c'est que je suis la série sur Netflix et je l'aime beaucoup. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai envie de lire le tome juste avant la sortie Netflix. Vous voyez? Donc je sais très bien que je vais tous les lire. C'est là que ça couille en fait. C'est-à-dire que les livres en eux-mêmes, je les trouve pas dingues, mais j'aime bien lire le support littéraire avant de voir la série, parce que pour le coup, j'aime bien voir les différences qu'ils ont fait. Je les trouve pertinentes en plus en général. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je savais que je comptais tous les lire. C'est pas pour la beauté de la plume, honnêtement, ni uniquement pour la beauté de l'édition. C'est parce que, voilà, moi, il y a cette concordance avec Netflix que j'ai envie de garder. D'ailleurs, pour le moment, je peux pas continuer, puisque je n'ai pas encore le 3 et 4. C'est ballot. Alors par contre, pour la suite, c'est vraiment, il n'y a pas d'excuse. C'est juste que je les trouvais magnifiques et que j'avais grave envie de les lire depuis longtemps en relié. C'est le raisonnement que je vous expliquais au début. Hein. Le sang et la cendre. Voilà, non mais alors, je vais pas vous faire, parce que les résumés sont très longs, hein, voilà, donc je vais pas vous faire les résumés à chaque fois, je vais vous montrer par contre l'esthétique, voilà, celui-là je vous l'ai montré tout à l'heure, il est incroyable, incroyable, je sais, Gods of Men, lui j'avais fait une commande avec celui que je vais vous montrer juste en dessous, exprès pour l'avoir en relié, parce que le 2 vient de sortir, et en soi, il y a certains reliés, tu vois, il est simple lui, hein. il y a certains reliés qui sont moins recherchés que d'autres, genre un des plus beaux pour moi c'est Adi Larue. Je vous l'avais montré la dernière fois, bah pendant le dernier book haul, c'est les petites constellations sur la tranche, etc. Lui, il est ouf. Là, vous voyez, par exemple, c'est assez simple. Il y a le côté toc-toc, il y a la belle illustration à l'intérieur, mais par exemple, la couve en elle-même, ils ont pas gravé dessus, mais ça, c'est pas grave, c'est très joli quand même, moi, ça me va très bien. Donc, Gods of Men, Prosperine et virgule point, voilà, très mignon. Lui, c'est pareil. En fait, lui, je l'avais vraiment en wishlist depuis plus d'un an, parce que apparemment, au niveau du style littéraire, c'est très fun. Et j'étais en mode, ouais, ça peut attendre, et puis, bah, voilà. Ils l'ont sorti comme ça, non mais il est. Non mais voilà! Comment tu veux? Autant le prendre, tu vois ce que je veux dire! Bon, ça c'est pas un relié, mais Grisha tome 2, parce que j'ai lu le tome 1 le mois dernier et j'en suis tombée amoureuse et je veux la suite. Même si vous me faites peur, hein, parce que les retours que vous m'avez fait en mode oui, tu vas voir, Mal c'est un cul dans le 2, hein! Merci! Super, ça me donne envie de le lire parce que Mal c'était mon préféré. Du coup, j'ai un petit peu peur, mais je suis quand même un peu confiante. Non parce que déjà, il y en a plein qui m'ont dit oui, tu vas voir dans le 1, c'est un con, moi je l'ai adoré donc. On a peut-être pas les mêmes critères, hein, mais du coup j'ai quand même une petite appréhension, mais j'ai quand même acheté le tome 2, voilà, parce que j'adore. Et mine de rien, du coup il me manquera le tome 3 de Grisha, après je compte relire Six of Crows, il me manquera les King of Scars, donc les deux, et j'aurai fini Grisha. Oui bon, certes, il me manque 3 livres à acheter et 2 à relire, mais mine de rien j'avance. Et ça c'est un truc, je m'en suis rendu compte, oui je parle en papotage, oui c'est pas comme si cette vidéo ne durerait pas déjà une heure, oh faites pas semblant, vous le savez. Et oui donc je m'en suis rendu compte en librairie la dernière fois, mine de rien, certes, je lis beaucoup de sagas et j'achète beaucoup de sagas, mais mine de rien, j'en ai rattrapé une petite chier. Non, parce que si on regarde, je me suis mise assez récemment à ces sagas en fait, si on regarde vraiment en termes de pile à lire et tout, et je me suis mise à jour un peu partout, hein. Je suis fière, je suis quand même fière. Je me suis acheté, alors il me reste 2 reliés et un petit coup de cœur de convention. Je me suis acheté Dark Rise. Alors lui, il n'était pas vraiment prévu de base, c'est-à-dire que de Monsieur Pacat, je comptais d'abord lire Le Prince Captif. Mais celui-ci est sorti en relié avec, voilà, non mais voilà. Et je comptais lire aussi, attention, il était dans ma wishlist, hein. C'est juste que dans ma tête, je m'étais dit, bon, je vais d'abord lire Le Prince Captif parce qu'il l'a sorti avant et comme ça, je lis de manière chronologique ses parutions. Sauf que bah, l'avenir en a décidé autrement, j'ai dû faire 2 librairies pour le trouver, j'ai crié quand je l'ai vu. C'est pas moi qui l'ai vu, c'était Bébou, et il y en avait un posé, vraiment. Bébou, il a fait « C'est ça, non ?» J'ai fait « Ah oui !» Voilà, ça, mais qu'est-ce que tu veux, ça. Donc voilà, encore une fois, on est sur un exemple de livre que j'avais en wishlist. Pour moi, il n'y avait pas d'urgence, vraiment, ça faisait des mois il était en wishlist, enfin depuis sa parution, donc il n'y avait pas de problème. Et bah, quand j'ai su qu'il était en relié, j'en ai profité, tu vois, voilà, typiquement. Et il n'y a pas besoin d'avoir lu Prince Captif pour lire Dark Rise, hein. C'est indépendant, c'est juste que moi, je l'étais toqué en mode chronologie. Je me suis donc acheté, ça je voulais spoiler, La Passeuse de mots en relié. Non mais j'adore quand les pages sont colorées. Ça colore les doigts des fois, hein, mais oh là là, il est
mais il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Ah, il a pas de petit cache devant, mais il y a pas besoin, il est tout gravé là, il est trop beau. Et pareil, du coup, la passeuse de mots que j'avais en wishlist depuis moult, bah voilà. Non, mais en même temps, à vous, dans une bibliothèque, je suis faible, ok? Je suis faible. Quand on parle de beaux objets livres, je suis faible, oui! Oui, c'est vrai! C'est mon péché mignon, c'est vrai, mais c'est trop beau! Et en dernier, mon petit craquage de convention, pour le coup, ce n'est pas un relié, à nos héritiers des éditions Angel Corp, et j'ai eu une dédicace de l'auteur. Alors en fait, quand je m'achète un livre en convention, je l'ai déjà dit je crois, mais j'essaye de n'acheter que des livres quand les auteurs sont présents. Sinon je pars du principe que je peux les commander ou aller les chercher en librairie moi-même, et j'ai pas besoin de me les trimballer dans la valise et que ça pèse la vie, tu vois. Donc celui-ci, je l'ai pris parce que l'auteur était présent, et honnêtement le résumé m'a beaucoup plu. On est sur une dystopie, on est sur du féminisme, on est sur une question de sur la question de la maternité. Ça m'a un peu fait penser à La Servante Écarlate au niveau de la thématique. Donc voilà, ça m'a suffi. Pour moi, je suis assez confiante sur le fait que je vais l'apprécier. Vive les conventions! Et il manque plus que vos cadeaux, c'est mi-raisonna, mi-dingo. J'ai reçu de la part de... Alors, par contre, je commence à être dans le noir parce que oui, je tourne le 31 octobre, joyeux Halloween. Et en fait, on a changé d'heure hier et on recule d'une heure. Ce qui fait que là, il est 17h et il fait nuit, en fait. Je vois un bout de soleil derrière la montagne. Donc, je ne sais pas dans quel état visuel je vais finir cette vidéo. Hein. Mais c'est pas grave. Mais du coup, pour lire les noms... Emily Flock, bien sûr, ma petite Emily. Emily Flock qui m'avait offert les Heartstoppers et qui m'a offert une magnifique peluche en convention que j'ai pu rencontrer. Elle m'a fait trop plaisir de la voir, elle est trop belle. Elle me ressemble un petit peu, donc c'est un peu égocentrique. Du coup, elle m'a offert la BD Nine, qui est une BD jeunesse et qui est apparemment très cool. En tout cas, elle l'a adorée. Donc, j'ai hâte de voir. En manga, en convention toujours, j'ai reçu de la part de Liseria, ou Morgane, selon le pseudo ou le prénom, le tome 1 de Magus of the Library, que j'avais en wishlist depuis moult, et Arya's Masterpiece, que je ne connaissais pas pour le coup, et qui m'a l'air hyper sympa. Donc, bam, deux découvertes à faire. J'ai reçu, oh ça, j'étais tellement refaite quand j'ai vu ça, de la part de Sabrina Yuki Senpai 93, j'ai reçu Yona Princesse de l'Aube, tome 4 et 5. J'avoue que quand vous m'envoyez les suites de saga, il y a une petite part dans ma tête en mode « Oh oui, je vais enfin lire la suite !» Parce que vous savez que mon problème avec les mangas, c'est que je commence plein de sagas, et qu'après, quand je dois lâcher la suite, je panique. Genre, lequel je prends? Ah, il y a trop de trucs en même temps. Donc j'avoue que, surtout qu'il y en a, genre 36 des tomes, donc quand j'ai vu le courrier, il y avait les deux, j'étais en mode « Oh, t'es trop gentil !» Je suis tellement contente de lire la suite, mon Dieu. J'ai lu les trois premiers pour le moment, j'adore Yona. C'est vraiment une saga hyper cool, c'est plein d'aventures, c'est de la fantasy à balles, et l'héroïne est géniale, et lui là... Lui, c'est un de mes mecs, voilà. Lui, je couche avec. Voilà. Bon, dans mes rêves, mais c'est pas grave. Et j'ai également reçu des romans de votre part, parce que vous êtes des petits godins. J'ai reçu de la part de Okami ou Lucas, comment ça s'appelle ? L'Atlas d'Émeraude. Alors ça, vous étiez plusieurs à m'en avoir déjà parlé. Et du coup, pourquoi pas ? Alors pour le coup, moi, je connais pas. Mais ça sera avec plaisir que je découvrirai. Alors quand, je ne sais pas, hein, c'est toujours le même problème. Mais ça a l'air bien sympa. En tout cas, Lucas me l'avait bien vendu. Alors ça... J'ai reçu Fable, alors lui typiquement, de Lucas toujours, hein, qui m'avait envoyé les deux dans le même courrier. Lui typiquement, il était dans ma wishlist et ils l'ont sorti en relié. Et quand j'ai su qu'il le sortait en relié, comme les autres, j'étais en mode « Ah, il faut que je l'achète !» Et Alice, elle m'a dit « Non, quelqu'un te l'a pris. » Ah, mon Dieu, et ça m'a trop touchée, vraiment. Et du coup, regardez, voilà. Belle petite édition collector, n'importe quoi, mais gravée comme ça. Et en fait, tout simplement, il est magnifique. C'est une femme pirate. Et j'adore la couverture, elle est sublime. Alors, j'ai bien conscience que je vous ai donné aucun résumé de tout ce que j'ai reçu ou que je me suis acheté, mais je suis déjà à une demi-heure. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vous lis tous les résumés... Les résumés attendront le date lecture, hein, voilà. Donc, Fable. Et enfin, plus que deux, j'ai reçu Aristote et Dante, tome 2, de la part de Armin, qui adore cette saga, donc ça ne m'a pas étonnée. Il m'avait dit qu'il m'offrirait le 2, et il a l'air trop bien. Mais j'ai adoré le 1, alors j'ai moins aimé le 1 après relecture, mais ça reste quand même un ouvrage que j'adore, et j'ai beaucoup trop hâte de découvrir les protagonistes. Surtout que normalement, le problème de communication est réglé, hein, vu le problème, enfin, vu le climax à la fin du 1. Donc, trop hâte de le découvrir, c'est trop mignon. Aristote et Dante, c'est mignon et c'est vrai, tu vois. C'est une bonne lecture. Et en dernier, c'est Princesse qui a craqué. Princesse, elle a craqué fort. Il était dans ma wishlist. Mais je l'ai découvert, en plus, il n'y a pas longtemps du tout. Par vous, je crois que je l'ai découvert par vous, quand j'étais dans vos streams pile à lire, un truc comme ça. Un jour, avec Marie-Antoinette. Et alors, attendez, parce que vous savez, enfin, je sais pas si vous savez, mais j'adore Marie-Antoinette. De base, j'adore les personnages historiques. Enfin, non, pas tous. Mais j'adore beaucoup de personnages historiques, et j'adore en savoir plus sur eux. Et j'en ai certains qui ont mon petit cœur. Marie-Antoinette en fait partie.
Et donc vous avez un coffret comme ceci. Et le livre en lui-même, qui est, mais... Oh, j'adore l'odeur en plus. Et en fait, il est ponctué de plein d'images, de tout ce qu'elle a aimé, de tout son style. Vous avez plein d'articles sur ses robes, sur ses vêtements, sur comment elle aimait vivre, sur sa notion de la mode, comment elle s'est faite respecter ou pas. Enfin, en gros, c'est vraiment un livre sur elle et il y a plein de tableaux d'elle. Enfin, je suis hyper, hyper impatiente de le découvrir. Marie-Antoinette, vraiment, c'est une femme que j'aime énormément. Enfin, voilà, je trouve le livre en lui-même sublime. Je pense que ça, pour le coup, en cadeau de Noël, si vous connaissez quelqu'un qui aime Marie-Antoinette, ça peut être un bête de cadeau. Vraiment, l'objet est sublime et je pense que... J'ai pas vu le prix. Tu m'excuseras, princessa, je sais que c'est un cadeau, mais 25€. Donc c'est le prix d'un relier, en fait. C'est le prix d'un relier. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un vrai bam. Encore merci, ma poulette. J'en revenais pas quand je l'ai vu. Je crois que j'ai passé 5 minutes à l'admirer. Genre, oh, il y a des photos partout. Et c'est fini, Seigneur. Et maintenant, il faut que je range tout ça dans mes piles à lire. Oh. Le pire, ça va être les BD, je crois. Non, parce que les romans, en vrai, ça... Oh, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Non, mais je vais m'en sortir. Faut que je réagence encore les choses. Surtout pour les BD. En vrai, les BD, c'est un vrai problème. Parce que où je les mets, ça plante. Quoi. Ça, tu sais, ça s'affaisse. Vous savez ce que je vais vous demander maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de ce book haul? Quel titre vous inspire le plus? Est-ce qu'il y en a que vous avez envie de lire maintenant que je vous les ai présentés? Lesquels vous avez le plus envie que je découvre aussi? Desquels vous avez le plus envie d'avoir un retour? Et moi, je vous laisse là. Je vais boire une énorme bouteille d'eau avant qu'il fasse totalement nuit. Ça tombe très bien. Le timing est parfait. Je vous aime très fort, je vous embrasse tout plein et on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Mouah !